Celle-là aussi. Parce que cette vidéo, je la fais tard ce soir, encore une fois, comme la précédente que j'ai sortie il y a une heure, à peu près. Donc c'est l'update 3, donc au final, j'ai choisi de garder les portes comme ça. Et en fait, elles sont en V. En V, enfin, non, pas tellement en V, mais avec un assemblage là ici, ça fait à peu près en V, si on veut. Le jeune mien, là, voilà, pour test. Donc c'est l'update 3, donc là c'était sur la remorque, donc on voit, mais c'est pas très grave. Donc je vais passer sur le camion. Vous allez me dire, oui il y a pas assez de luminosité, et bah écoute, je t'en remets, mais ça fait un petit peu mal aux yeux. Donc je vais faire, voilà. Donc le camion, le pare-choc, pour ceux qui étaient sur Instagram, je l'ai bien évidemment changé. J'ai un petit peu, à peu près changé, les rétros j'ai changé. Également ce que j'ai fait, j'ai rajouté des pièces ici pour pouvoir mettre sur la remorque. J'ai fait un petit truc là. Et j'ai également posé ça, ça, ça et ça, des outils. Voilà, donc, et du coup, ça fait ça. Voilà. Ça donne ça. Pas mal pour un truc des forces spéciales. Voilà. Donc, également, cette vidéo, comme l'autre, je la fais aussi à tard le soir, comme j'ai déjà dit. Et que je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Donc les presque sans montage cette vidéo, c'était juste pour vous montrer, et avec un petit flash de lumière sur le véhicule. Donc, je vous le repasse rapidement en détail, la prise donc sur. Bref. Je pense que le dernier update. Hein. Bon, bah, je l'ouvrirai pas, c'est pas grave. Ah non, faudrait juste que j'améliore ça. Mais ça, je pense que je vais faire le quatrième update dans 2 semaines. Voilà, c'est tout.